Bonsoir et bienvenue dans votre édition varoise. Le Front Républicain a fonctionné dans notre région, tout comme dans notre département, mais dans une moindre mesure. Ici, Christian Estrosi enregistre 50,9% des voix. 3 points de moins par rapport à la région. Le Front National enregistre dans le Var l'un de ses meilleurs scores de PACA. Voici le récit d'un duel très serré dans le Var. Ces militants varois ont le sourire. Et pourtant, le Front National n'a pas réussi son pari. Finalement, ce sont les Républicains qui emportent ce duel. Aujourd'hui, vous êtes déçu ? Non, je suis déçu de voir les magouilles qu'il y a eu entre la gauche et la droite, mais je suis heureux de voir le résultat du Front National. Déception, non, puisque comme j'expliquais à beaucoup de militants, c'est qu'en 2010, on faisait 22% et en 2015, on fait 45%, donc on a doublé notre score. Un bon score, notamment dans le Var, où à peine un peu plus d'un point d'écart sépare les deux candidats. Un coude à coude qui, hier soir, a donné des sueurs dans certains bureaux de vote de la Seine-sur-Mer. Marion Maréchal Le Pen devance, mais de quelques voix seulement. Donc c'est très 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 serré, effectivement. Fin de soirée à la Seine-sur-Mer, les Républicains sont en tête, mais pas de triomphalisme dans cette ville de gauche, bien au contraire. Le maire a même des regrets, lui qui était opposé au Front Républicain. Mon regret est acté depuis le premier tour, et notamment depuis le soir du premier tour, où je pense que la gauche rassemblée aurait pu assurer une force d'opposition. La gauche disparaît de la région. Dans le Var, les Républicains obtiendront 17 sièges au Conseil régional. Le Front National, seule opposition, 10 sièges pour le maire de Toulon. Des leçons doivent donc être tirées. Ça fait deux fois que les électeurs nous font passer un message très fort au premier tour des élections départementales et puis au premier tour des élections régionales. Pour le moment, ils ont dit, voyez, on n'est pas prêt à donner la clé du camion au Front National. Mais attention, si on n'y prend pas garde, ça viendra. En tout cas, ici, au Front National, on y croit et on prépare déjà la campagne pour la prochaine échéance, l'élection présidentielle. Et cette victoire, les Républicains le savent, ils la doivent au retrait de la gauche, à une plus forte mobilisation des électeurs, mais aussi à tous ceux qui ont fait appel à faire barrage au Front National.